بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار دعم تلاميذ السنة الثانية إعدادي مسار دولي في درس أوردر إي أوبيراسيون ترتيب العمليات، أقدم لكم اليوم تمرينين إكزارسيس 1 إي إكزارسيس 2. نبدأ بإكزارسيس 1. إذن سوا X أن نومبر راسيونيل تيل كو X إت انفيريور أو إيكال أ 5 كومبليتي لي إكسبرسيون سويفونت. اللي بغى يستفد من النوع ديال هاد التمارين انه قبل ما يشوف الحل يخرج هاد التمرين عاد يشوف الحل باش يستفد. اذا نبدا ب x plus 3. اذا نحطو المعطى قدامنا دائما x est inférieur ou égal à 5. هنا كنقلبوا على x plus 3، اذا غنزيدو هنا 3. اذا تا لوتر مومبر اون اجوت 3. Donc x plus 3 est inférieur ou égal à 5 plus 3. On simplifie 5 plus 3. Donc x plus 3 est inférieur ou égal à 8. Et on encadre le résultat. On passe à x moins 5. On a toujours x est inférieur ou égal à 5. Donc on retranche 5. Donc x moins 5. Et then l'idéal x ter tafjaoukhra. Donc x moins 5 est inférieur ou égal à 5 moins 5. 5 moins 5 ça fait combien? 0. Donc x moins 5 est inférieur ou égal à 0. On passe à 4x moins 3. Hada adad morkab. Donc fait 4x. On clôt à la 4x, on multiplie par 4. Puis on retranche 3. Et on clôt à la 4x. Donc on multiplie x par 4. T'as 5 t'adrab 4. Donc 4 fois x, donc t'as 5 fois 4. Donc 4x est inférieur ou égal à 20. 5 fois 4, ça fait 20. Maintenant, on retranche 3 des deux membres. Nous avons 3 moins 4x. T'as 20, nous avons 3. 4x moins 3, inférieur ou égal à 20 moins 3. On va nous dire, 4x est inférieur ou égal à 17. On passe à cette expression. إذن هاد العملية بحال هادي. سي أون ملتيبلي باغ 4، هنا أون ملتيبلي باغ 2 سيغ 3. دونك غنبداو بعدا بهادي عاد نزيدو واحد. دونك إكس فوا 2 سيغ 3 إت انفيريور إيكال 5 فوا 2 سيغ 3. أون نو شونج با لوردر كار أون ملتيبلي باغ أن نومبر بوزيتيف بحال هنا، ما بدلناش لوردر. كنحسبو 2 سيغ 3 إكس إت انفيريور إيكال 5 فوا 2 صافي 10. Maintenant, on ajoute plus 1. Donc 2 sur 3x plus 1 est inférieur ou égal à 10 sur 3 plus 1. On les réduit au même dénominateur. On va voir ce qu'il y a. Il y a 3 sur 3. Donc 3 plus 10, ça fait 13. On a 3. Donc 2 sur 3x plus 1 est inférieur ou égal à 13 sur 3. On passe à cette expression. إذا غادي نبداو ب x moins 3. x moins 3 est inférieur ou égal à 5 moins 3. نقصناها من هنا تنقص من هنا. Donc x moins 3 est inférieur ou égal à 2. Maintenant on divise par 2. Ça veut dire qu'on a multiplié par 1 demi. C'est un nombre positif. Donc on ne change pas l'ordre. Donc x moins 3 sur 2 est inférieur ou égal à 2 sur 2. On simplifie 2 sur 2. Donc x moins 3 sur 2 est inférieur ou égal à 1. On passe à cette expression. Donc on a x est inférieur ou égal à 5, donc on va multiplier x par 2, un nombre positif, donc rien ne change. Donc 2 fois x est inférieur ou égal à 10. Mais va dire on direct 2 fois x, 2 fois 5, on 10. Donc 2x est inférieur ou égal à 10. Maintenant, moins 1. Donc on a moins 1, donc moins 1. Donc 10 moins 1, ça fait combien? C'est 9. On divise par 5, c'est un nombre positif, donc on ne change pas l'ordre. Donc 2x moins 1 sur 5 est inférieur ou égal à 9 sur 5. On passe maintenant à moins 6x. On a multiplié x par un nombre négatif qui est moins 6, donc il faut changer de l'ordre. Donc moins 6 fois x est supérieur, le contraire de 5 fois moins 6. La conclusion, donc moins 6x est supérieur ou égal à moins 30.
on passe à moins 3x plus 7. Donc, tu as décomposé, tu as moins 3x et plus 7. Donc, on commence par moins 3x, donc on a multiplié par un nombre négatif, on change l'ordre. Donc, moins 3x est supérieur ou égal à 5 fois moins 3. Ça veut dire que moins 3x est supérieur ou égal à moins 15. Maintenant, on ajoute 7. Moins 3x plus 7 est supérieur ou égal à moins 15 plus 7. Donc, moins 15 plus 7, ça fait moins 8. On passe à la dernière expression. Donc, on commence d'abord par le numérateur, moins 2x, puis on ajoute 1. Enfin, on divise par moins 3. Moins 2x, on a multiplié par un nombre négatif, on change l'ordre, est supérieur ou égal à moins 10. On ajoute 1, moins 2x plus 1, moins 10 plus 1, ça fait moins 9. Maintenant, on divise par moins 3. Donc, on divise par un nombre négatif, donc on change l'ordre. Donc, moins 2x plus 1 sur moins 3 est inférieur à moins 9 sur moins 3, on simplifie, moins par moins c'est plus, 9 sur 3 c'est 3. Donc, moins 2x plus 1 sur moins 3 est inférieur ou égal à 3. On passe à l'exercice numéro 2. Comparer les deux nombres rationnels A et B dans chaque cas. Donc, on a 4 cas. On passe à la solution. Le premier cas, on a A égale à 3π moins 2 et B égale à 2π moins 5π. Il est le dire 3,14. Donc, pour comparer deux nombres rationnels, on a vu dans la règle, on calcule la différence entre ces deux nombres. Donc, on a A moins B. A moins B égale A. Il y a 3π moins 2 moins B quand même, là, entre parenthèses, de pi moins 5. On enlève les parenthèses, un homme subocable moins, toute parenthèse précédée par moins, on change les signes à l'intérieur. Donc, il y a des 4 bras, 3pi moins 2, on aura tous les moins de pi, moins mal moins que tous les plus. On simplifie, 3pi moins 2pi, njibahda, moins 2 plus 5. 3pi moins 2pi, il y a 1pi, ça veut dire c'est pi. Et moins 2 plus 5, c'est 3. Donc, égal à pi. Plus 3. Pi, c'est un nombre positif, plus un nombre positif. Donc, on a trouvé un nombre positif. Alors, puisque pi sur plus 3 est un nombre positif et supérieur à 0, alors A est supérieur à B. Quand on a double signe, il est supérieur à 0. On a l'alternative, je connais le mot le A. Donc, on a un goulot A supérieur à B. On passe au deuxième cas. On a A égale à moins 3 sur 4 et B égale à moins 5 sur 6. Donc, à dinasbo, aïe dans la différence. Donc, A moins B égale A, il y a moins 3 sur 4, moins, il y a la différence, B comme là, moins 5 sur 4. On les réduit au même dénominateur, 4 et 6. Un dôme, un diviseur commun, les ou juge. Et là, c'est le juge 4, c'est 3. Donc, c'est 12. Donc, 4 fois 3. Et il y a 12, moins 3 fois 3, moins 9. Le moins mal moins, regardez, plus. Donc, fois 2, c'est 10. Moins 9 plus 10 égale à plus 1. Donc, égale à 1 sur 12. Donc, il y a un chal qui sort de l'adat, tu ne vois, ou le simplifié, ou le là, quand on regarde le signe. 1 sur 12, c'est un nombre positif. Donc, puisque 1 sur 12 est supérieur à 0, donc, A est supérieur à B. Quand on a B moins A, on a moins 1 sur 2. Donc, on dit que c'est B inférieur à A. A supérieur à B, il y a B inférieur à A. On passe au troisième cas. Donc, A égale à X fois X moins Y et B égale à Y fois X moins Y. Quel que soit X et Y, qui est positif, qui est négatif, qui est positif, qui est négatif, qui est négatif. Donc, on calcule A moins B, c'est X fois X moins Y moins Y fois X moins Y. Et là, il y a le développement. J'ai un facteur commun. Donc, je factorise par X moins Y. Donc, égal à X moins Y facteur. Je vais prendre X moins Y.
x moins y fois x moins y, l'adad fnfsu, c'est l'adad au carré. Donc égal à x moins y au carré. Donc on a trouvé un nombre puissance 2. Quand on a fait les puissances, mais qui ont un exposant pair, lesquels d'achal, qui ont كيف ما كان لي الدخل فالعدد كامل est un nombre positif. On sait que quel que soit x et y, alors x moins y au carré est supérieur ou égal à 0. Alors ça n'est pas o égal à x et y. Donc il a qu'un supérieur ou égal à 0, ça veut dire le premier est supérieur ou égal au deuxième. Donc on conclut que le synthèse a supérieur ou égal à b. Quatrième cas. A égale à x fois x plus y et b égale à y fois x moins y. Toujours la règle, on calcule la différence. A moins b égale le premier moins le deuxième. On a le facteur commun, le valeur, donc on développe. X fois x et x au carré plus x, y moins y, x, y, x, moins mal moins plus y fois y, y au carré. Plus x, y, moins y, x, bhal, moins x, y. Donc, on simplifie. Égal à x au carré plus y au carré. Kif makan x, kif magulna, x au carré c'est un nombre positif. Y au carré c'est un nombre positif. Donc, la somme d'élom c'est un nombre positif. Puisque x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 0, alors, je suis on a le premier. Est supérieur ou égal au deuxième. Et dans un autre cas, nous serions à Tamarin de Nabjouj. Atamana un stafido minade Tamarin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.